Et voilà le gamer type, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer, voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Le jeu vidéo a cela de culturel qu'il a cette problématique de garder des traces de son passé. On pense aux collectionneurs qui prennent soin des vestiges anciens, mais cette semaine, on apprend que l'État français réalise aussi ce travail de conservation de son côté. La Bibliothèque nationale de France, surnommée BNF, est située entre autres dans ce bâtiment Bibliothèque François Mitterrand, connu pour être en forme de 4 livres. Dans sa mission de conservation, nous apprenons avec joie que la Bibliothèque nationale s'occupe aussi du jeu vidéo. Cette semaine en effet, et pendant 3 jours, la BNF a exposé ses collections vidéoludiques. On y apprend que 15 000 titres de jeux vidéo français et étrangers de tout âge sont conservés, ainsi que les consoles de jeux. Ce patrimoine culturel vidéoludique est pris au sérieux, d'autant qu'ici, la conservation est très sérieuse car se projette pour du très très long terme. C'est beau. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. L'effet d'habituation a su faire en sorte qu'aujourd'hui, les états mythomaniaques de certains éditeurs ont du mal à nous faire tomber de notre chaise. Du simple downgrade graphique aux features finalement absentes du produit final, c'est toujours le même agacement, mais désormais dépourvu d'étonnement. C'est le cas de No Man's Sky, qui nous vantait des combats spatiaux épiques semblant n'avoir rien à envier à la bataille de Yavin, et cela dans 18 quintillions de planètes toutes plus folles les unes que les autres, et avec un final grandiose au centre de l'univers. De bien belles promesses, englobant de désillusions tous ceux qui les avaient crues. Dans ce contexte, le week-end dernier, les rumeurs de remboursement de No Man's Sky se sont multipliées sur Reddit et NeoGAF. Ainsi, à en croire les différents posts, certains auraient réussi à se faire rembourser le jeu via le Steam Refund, et ce, malgré avoir largement dépassé les 2 heures de jeu. Il n'en fallait pas plus à de nombreux sites pour en faire une news, nous expliquant la recette miracle pour récupérer ses ronds après avoir passé 50 heures à miner des astéroïdes. Mais devant l'ampleur que prenaient ces rumeurs, Steam y a répondu officiellement en rappelant cette semaine que les conditions de remboursement de No Man's Sky n'étaient pas différentes des conditions générales. À savoir, ne pas avoir dépassé les 2 heures de jeu. Quoi qu'il en soit, le système de remboursement de Steam Refund reste à questionner. Certes, il offre une meilleure protection du consommateur en cas d'incompatibilité technique ou de jeu dysfonctionnel, mais doit-on vraiment attendre 2 heures de jeu pour constater des problèmes techniques ? Denis Asensio, le développeur du jeu Calendula, confiait dans une interview que les demandes de remboursement pour son jeu se situaient entre 5 et 7% et qu'une bonne moitié était faite par des gens ayant fini le jeu. Or, des expériences vidéoludiques ont le droit de ne durer que 2 heures et n'en méritent pas moins leur salaire. Plus grave encore, il est possible de demander le remboursement au simple motif « le jeu ne me plaît pas ». Surtout qu'en anglais, il existe le motif « not fun » dans la procédure de remboursement Steam, comme s'il fallait garantir le fun. Dans une période où on dit que le consommateur a une responsabilité à prendre dans ce qu'il décide d'acheter, il est malvenu de déresponsabiliser à ce point sur des critères de plaisir immédiat qui plus est. Bonjour. Bonjour. Vous allez où ? À Osgore. Ah ben moi aussi, montez. Ouais, mais non, mais je vais trouver mieux. Tandis que sur PS4, Gran Turismo est reporté à l'année prochaine, la Xbox One a déjà eu le temps de sortir Forza 5, Forza 6, Forza Horizon 2 et de rendre le premier Forza Horizon de la 360 rétrocompatible et en vente sur Xbox One. Et puis arrive à la fin du mois Forza Horizon 3, qui se déroule cette fois-ci en Australie, l'occasion pour Microsoft de troller Sony en annonçant sur Twitter que Forza Horizon sera le seul jeu de course Gold qui sortira pour cette fin d'année. Ce Forza Horizon 3 proposera la fonction Play Anywhere de Microsoft qui consiste à vous donner le jeu sur PC si vous l'achetez sur votre Xbox One, ou inversement, tout en rendant les sauvegardes compatibles entre les deux versions. Évidemment, pour ne pas que vous soyez tenté d'acheter la version disque Xbox One afin de débloquer la version PC, puis de revendre le disque Xbox en continuant d'y jouer sur PC, alors cette feature n'est compatible qu'avec les jeux dématérialisés. Et là, le bon plan en paraît déjà moins 1, quand on sait que les jeux démat console ont tendance à rester proches des 70€ très longtemps. De plus, pour ne pas nous laisser guetter quelle version du PC ou de la Xbox One est la moins chère, on imagine que le prix sera nivelé entre ces deux versions. Et donc nivelé par le haut, le prix du jeu PC prenant alors des airs de prix de jeu console.
Et afin de garder le contrôle sur les prix des achats de clés, ces jeux ne devraient pas être sur Steam. Car sur Steam, cela signifierait que certains revendraient des clés venues de pays où c'est moins cher. Et cela permettrait d'avoir, une fois le jeu PC à moindre frais activé, le jeu sur sa Xbox One. Donc ce service, prévu pour le 13 septembre, risque logiquement d'avoir un impact sur le prix des jeux et sur leur disponibilité ailleurs que sur les stores Microsoft.